OK, alors on continue les notes sur la reproduction et on va aller dans le domaine de la réplication de l'ADN. Donc, rappelle-toi, dans la phase S de l'interphase, l'ADN avait fait une copie d'elle-même. On va voir en détail comment l'ADN se copie comme ça. Okay? Donc, il faut que tu voies l'ADN comme un grand livre avec plein, plein, plein d'informations écrites à l'intérieur. C'est juste que les mots de l'ADN, ce ne sont pas des mots avec des lettres. C'est une suite de bases azotées. Alors, rappelle-toi tes nucléotides qu'on a vus dans notre chapitre 2. Il peut y avoir des nucléotides d'adénine, thymine, cytosine et guanine. Donc, ATCG, si tu te rappelles bien ton module 2. Mais c'est la suite de AATTCG, ATT, AGG, CG, CAAT. C'est cette suite-là de lettres que ta cellule peut lire. Puis qui va faire qu'elle comprend comment fonctionner. Mais il faut qu'il y ait une méthode très spécifique pour prendre cette information-là de l'ADN et en faire une copie exactement identique. Donc, le but de la réplication de l'ADN, je viens de le dire, créer une chaîne d'ADN identique ou presque, parce que des fois, il y a des petites erreurs de duplication qui vont se faire. Ça arrive des erreurs, c'est pas parfait. Quatre grandes étapes à la réplication de l'ADN. Je vais les expliquer, puis après ça, on va aller les voir sur un dessin. Il va y avoir une protéine qui s'appelle l'hélicase qui va briser les ponts hydrogène entre les deux chaînes de la double hélice. Donc, rappelle-toi, l'ADN, c'est une double hélice comme ça. Et qu'est-ce qui fait que la double hélice est maintenue en place? C'est les ponts hydrogène tout le long. Okay, on a vu ça au module 2. Fait qu'il va y avoir une protéine, l'hélicase, qui va arriver, puis elle va briser ces ponts hydrogène-là. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer deux chaînes de nucléotides qui est maintenant ouverte comme ça. Elle n'est plus en hélice, mais elle est ouverte. Et à l'intérieur de ça, ici et ici, j'ai une suite de bases azotées. OK? A, C, D, G, G, C, A, T, C, G. Puis l'autre bord, j'ai le contraire. Une fois que mes deux brins sont ouverts comme ça, c'est une autre protéine qui va arriver. Celle-là s'appelle l'ADN polymérase. Elle va s'attacher à un brin, plouc, et elle va lire le brin, elle va lire la suite de bases azotées A, T, T, C, G, D, blablabla. Et en faisant ça, elle va créer un nouveau brin, juste ici. Fait que ça, c'était le brin d'origine. Puis quand la protéine va lire, elle va créer un nouveau brin juste ici. Une autre protéine, la même, le même genre de protéine, une autre ADN polymérase, va s'attacher à l'autre brin. Et elle va lire l'autre brin. A, T, C, G, A, T, G, C, G, C. Et en lisant ça, elle va créer un autre brin juste ici. Et lorsque les deux ADN polymérases auront fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une molécule d'ADN ici, on va avoir une autre molécule d'ADN là, on va avoir deux molécules d'ADN. Quand tout ça c'est fini, les liaisons hydrogène vont se refaire là, les liaisons hydrogène vont se refaire là. Fait que là, j'ai deux doubles hélices à la fin de ça, qui est identique, une copie l'une à l'autre. Regardons les dessins. Puis c'est quand même quelque chose que je vais expliquer en salle de classe. OK? Donc, regarde la première étape. Ici, c'est notre molécule d'ADN initiale. Alors, un brin et son autre brin. L'hélicase va arriver et va briser les ponts hydrogène ici, ce qui va faire que mes deux brins vont s'ouvrir, vont se séparer. Donc, maintenant, j'ai un brin ici et un brin ici. Et regarde toutes les bases azotées. OK? T, G, C. A, T, etc. Là, tu as l'ADN polymérase qui va arriver, puis elle va s'attacher ici, et elle va lire le brin ici, le brin en bleu foncé, là, c'est le brin du départ, elle va le lire, et à mesure qu'elle le lit, elle va rajouter des bases azotées pour créer une deuxième hélice. Puis ça va se rattacher avec des ponts hydrogène. Et il arrive la même chose l'autre bord. Okay? Fait que tu avais mon brin, tu vas avoir une ADN polymérase qui va venir ici.
ici, elle va lire le brin du début, qui est le brin bleu foncé, et à mesure qu'elle lit, elle va rajouter des bases azotées qui va créer la deuxième chaîne de Modobilis. Regarde, un autre dessin, un peu le même principe. OK? Alors, ici, c'est mon brin d'origine. Tu as l'hélicase qui arrive ici, juste ici, excusez, juste là. Elle arrive et elle brise les liens hydrogènes. So, ça crée une chaîne d'ADN là, une chaîne d'ADN par là. Et là, tu as l'ADN polymérase qui va venir s'attacher. Tu as l'ADN polymérase sur un brin, tu as l'ADN polymérase sur l'autre brin. Et elle va lire ce brin ici et en lisant le brin là, elle va rajouter des bases azotées. Puis ça va créer une autre double hélice. Puis c'est la même chose ici. Mon ADN polymérase, à mesure qu'elle lit les bases azotées, elle rajoute des bases azotées comme ça. Puis ça, ça crée l'autre chaîne. Et à la fin, j'ai une double hélice, deux double hélices qui sont la copie exacte l'une de l'autre, à part des petites erreurs. Un autre dessin. OK? Regarde. J'ai mon ADN qui est sous forme de double hélice. Puis ici, j'ai mes bases azotées qui sont liées par des liaisons hydrogènes. Tu as l'hélicase qui arrive puis qui brise les liens hydrogènes. Ce qui fait que mes deux hélices, mes deux chaînes, vont s'ouvrir. L'ADN polymérase va arriver sur un brin, va arriver sur l'autre brin. Elle va lire les bases et à mesure qu'elle lit les bases-là, elle va rajouter d'autres bases qui va créer une nouvelle double hélice. Et l'autre ADN polymérase fait la même chose en bas. Elle va lire les bases azotées, rajouter des nouveaux nucléotides et créer aussi ici une double hélice qui va être pareille. Maintenant, c'est vraiment important de comprendre comment les bases azotées s'associent ensemble. Alors, l'adénine peut seulement être groupé avec la thymine. OK? Donc, regarde ici, là, adénine puis thymine, tu vois-tu? L'adénine a un petit rectangle qui rentre et la thymine, pas un rectangle, un triangle, et la thymine a un petit triangle. C'est juste ces deux-là qui peuvent se mettre ensemble avec une liaison hydrogène. Alors que la cytosine et la guanine s'attachent tout le temps ensemble. OK? Parce qu'ils peuvent faire un lien hydrogène. Mais tu ne verras jamais un adénine avec une guanine. Ça, ça se fait. OK? So, l'adénine est tout le temps avec la thymine, puis la guanine tout le temps avec la cytosine. Mais quand l'ADN polymérase est en train de lire ça, si elle lit celui-ci, qui est de la cytosine, elle sait qu'elle va arriver ici, elle va mettre de la guanine. Donc, elle va mettre la base qui l'aime. Si elle arrive ici, puis elle lit de la guanine, bien, elle va apporter de la cytosine. Si elle arrive ici, puis elle lit de la thymine, bien, elle va mettre une adénine au bout. Okay? Donc, c'est tout le temps par paire. Donc, encore une fois, un même dessin, mais qui explique comment les paires s'associent ensemble. Donc, adénine tout le temps avec thymine, guanine tout le temps avec la cytosine. Alors, c'est les bases azotées. Puis, c'est entre ces bases-là que va se faire la liaison hydrogène ici. Tu vois-tu là? J'ai une cytosine, j'ai une guanine, puis entre les deux, j'ai un pont hydrogène. J'ai une adénine, j'ai un thymine, puis j'ai un pont hydrogène. L'hélicase arrive, elle casse, paf! Ce lien hydrogène-là crée deux brins ouverts. L'ADN polymérase va venir lire ça et lire ça. Il va compléter comme ça. Il va faire deux chaînes identiques. Maintenant, le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est une mitose qui est rendue folle. Okay? Alors, la cellule va se diviser, se diviser, se diviser, se diviser, se diviser. Ça va créer des amas de cellules qui vont créer des tumeurs. Mais pourquoi les cellules se divisent comme ça de façon folle alors que c'est très dangereux pour le corps? C'est parce qu'à chaque fois que l'ADN fait une copie d'elle-même, il y a des petites erreurs qui vont se glisser. Donc, l'ADN polymérase, des fois, a fait des erreurs.
Et lorsqu'il fait ces erreurs-là, ben ça change un peu l'ADN. Ça se peut que ça ne change rien, mais des fois, il va tellement avoir des grosses modifications à l'ADN que ça va complètement bouleverser la cellule dans ses activités. Puis là, elle va lire dans l'ADN que c'est écrit dans l'ADN qu'il faut qu'elle se divise, il faut qu'elle se divise, il faut qu'elle se divise. Elle va faire ça. Mais c'est pas ça qui était écrit dans l'ADN au début. C'était écrit d'autres choses. Mais la cellule n'est plus capable de le lire comme il faut parce qu'il y a eu des erreurs dans la réplication de l'ADN. Puis c'est pour ça que le cancer se crée. Puis ces erreurs-là dans l'ADN, elles viennent naturellement avec l'âge. Plus tu vieillis, plus ton ADN se fait répliquer, plus qu'il y a des erreurs qui s'ajoutent. Une erreur là, puis une autre erreur là. Ça s'ajoute avec une autre erreur là, puis une autre petite erreur qui se rajoute là, une autre petite erreur qui se rajoute là. Puis éventuellement, il commence à avoir de plus en plus d'erreurs. Puis, des fois, tu as une erreur à la mauvaise place qui va créer le cancer. C'est plate, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, pour traiter un peu le cancer, on peut faire de la radiothérapie, qui est des ondes radio. Mais ça va beaucoup endommager l'ADN de tes cellules, donc ça peut devenir pire. On a la chimiothérapie, qu'on envoie un gros, gros substance chimique dans tes veines. La chimiothérapie, donc, t'envoie des substances chimiques très fortes dans ton corps. C'est une toxine qui va bloquer la mitose, vraiment. Mais ça a des effets très négatifs sur le cycle cellulaire de ta cellule. Donc, ça peut causer de la nausée, perte de cheveux, sensibilité aux infections. Donc, tu vas devenir très sensible aux infections puis aux maladies. Donc, mais avant, le monde, il mourait de vieillesse à 45, 60, 70 ans. Mais on disait qu'il meurt de vieillesse, mais il mourait du cancer, puis on ne savait pas. Puis avec la technologie, avec les recherches, ils ont découvert qu'il y avait ce type de maladie-là, le cancer, mais ça vient de la vieillesse. Il y a des corps qui vieillissent plus vite que d'autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas le cancer à 30 ans, puis à 42 ans, parce que chaque corps vieillit à sa propre vitesse. Il y en a qui vieillissent plus que d'autres.